Bonjour à tous. Juste un petit rappel rapide des temps forts de la journée d'aujourd'hui. D'accord ? Donc aujourd'hui, on commence par la conférence de Monsieur Michel Billière, que certains ont eu le plaisir d'avoir en atelier hier. Après la conférence, il y a une petite pause café inclue dans le hall. D'accord ? Comme hier. Au niveau de l'orientation, maintenant, ça va ? Je vous rappelle, numéro ici, salle Fausto, salle Madariaga, de l'autre côté près du hall. Donc, conférence, pause café. Vous savez qu'il y a des toilettes un petit peu partout, donc vous pouvez prendre votre café, vous diriger vers votre atelier après. Et les ateliers commencent à 11h. Vous êtes en atelier de 11 à 13, d'accord ? Et après, la pause repas est inclue et se fait dans le hall, d'accord ? On a juste une petite heure, mais on a prévu des petits sandwichs, des petites choses faciles à manger aussi pour que vous puissiez aussi en profiter pour aller fumer, vous détendre un peu. Et donc, les ateliers recommencent à 14h, de 14 à 16h, d'accord ? Et ensuite, à la fin des ateliers, on se retrouve directement ici pour la conférence de clôture. Une fois la conférence de clôture terminée, on vous offre un verre de l'amitié tout en vous demandant de nous rendre les questionnaires de satisfaction que vous avez dû avoir aujourd'hui. Et si quelqu'un ne l'a pas, vous nous le demandez, hein, on en a quelques-uns encore. Et donc, contre la remise du questionnaire de satisfaction, on vous donnera le certificat avec le nombre d'heures de formation suivies que l'on calculera en fonction du nombre de petits tampons que vous avez sur votre feuille de présence. D'accord ? Donc, quel que soit le nombre d'heures de formation que vous avez suivies, vous allez repartir avec votre certificat. Si des gens ont besoin de partir avant, laissez-nous votre feuille de présence bien remplie avec votre nom, votre prénom, votre numéro d'identité, votre email, enfin toutes les informations qu'on vous demande. Vous donnez votre feuille de présence sur le stand de vente et nous, on vous l'envoie dès lundi lorsqu'on rentre au bureau. On prendra dans nos dernières forces, d'accord, pour vous envoyer au moins le certificat scanné pour que vous puissiez justifier votre présence ici auprès de votre institution si vous en avez besoin. Et on vous enverra l'original par courrier. D'accord ? Sachez qu'on ne fait pas de copie de certificat, donc il est à conserver précieusement. Voilà, on laisse encore quelques personnes s'installer. Et puis je vais laisser la parole à M. Michel Billière, spécialiste de la verbotonale, avec lequel on a le plaisir de travailler depuis quelques mois déjà. Hein, on a le plaisir de le rencontrer grâce à Geneviève Briet, qui a travaillé sur les capsules de phonétique de Défi, donc notre nouvelle méthode pour grands adolescents et adultes. Et en fait, Madame Geneviève Briet et Monsieur Billière se connaissent depuis de longues dates. Et voilà, c'est comme ça que l'on est rentré en contact. Le premier défi que l'on a lancé à Monsieur Billière, c'était le fait d'organiser une rencontre virtuelle pour nous à distance il y a 3 semaines de ça, peut-être, voilà. Et voilà, le deuxième défi pour nous, qu'on vous propose, c'est d'intervenir aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole et je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet accueil absolument charmant, Séverine. Je suis tout à fait ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une passion assez perverse qui m'anime, la correction de la prononciation. Et vous voyez que je vous ai choisi un titre qui colle très bien avec un samedi matin, phonétique corrective et didactique de l'oralité en FLE. Vous allez voir que ça va vous réveiller, du moins je l'espère. Alors, une petite précision liminaire, mais elle est importante. Je vais effectuer cet exposé dans une dimension diachronique, c'est-à-dire historique. Ce que je voudrais d'abord, c'est aborder un peu le statut de la phonétique corrective dans une didactique de l'oral de façon relativement classique, pour ensuite glisser vers ce que l'on appelle depuis quelques années la didactique de l'oralité. Et quand j'aborderai cette problématique de la didactique de l'oralité, j'en profiterai pour glisser un nouveau concept de didactique du FLE, pardon, de phonétique du FLE à visée didactique, avouez que ça sonne, et didactique du FLE à visée didactique, c'est ma collègue Laura Abou-Edar qui propose cette nouvelle dénomination. Alors, juste avant de démarrer, un petit rappel, c'est quoi une langue à l'oral ?
Bon, une langue à l'oral, bien entendu, c'est parler, mais une langue à l'oral, c'est aussi écouter. Avec une petite remarque pas si bête que ça, on n'écoute jamais suffisamment en langue étrangère et on n'écoute jamais suffisamment quel que soit le niveau. D'accord ? C'est important. Une langue à l'oral, c'est également communiquer et interagir. Avec une petite remarque, communiquer et interagir, ce ne sont absolument pas des synonymes. Ça renvoie à des réalités très différentes. Et ça, nous aurons l'occasion d'y revenir au long de cet exposé. Maintenant, on va entrer un peu de plein pied dans ce monde infernal. Et je voudrais, dans un premier temps, souligner le statut ambigu qu'occupe la phonétique du français langue étrangère dans notre discipline. À savoir que le terme phonétique corrective lui-même n'est pas un terme très sympathique, très engageant. Correction phonétique, correction de la prononciation, il y a le mot correction, il y a peut-être un côté, si je fais une erreur, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, donc il y a un côté judéo-chrétien qui ne vous échappera pas. Alors que si, en tant qu'élève, je fais une faute, je n'y peux absolument rien. Simplement, si on parle de phonétique corrective, c'est que le terme est consacré par l'usage. D'accord ? C'est depuis les débuts officiels de la didactique du français langue étrangère dans les années 80, phonétique corrective est l'expression qui a toujours été employée lorsqu'il s'agissait de parler de l'enseignement de la prononciation. Alors, la phonétique corrective, sur un plan strictement théorique, représente un certain nombre d'avantages. Il représente un certain nombre d'avantages quand vous discutez avec des profs ou quand vous discutez avec des élèves. Généralement, on va dire, alors je vais pointer au hasard, on va dire oui. Est-ce que vous voyez le petit pointeur ? Bon, vous ne le voyez pas, et ça, c'est le prof qui n'a pas changé les piles après les vacances. Hein, donc, ok, c'est absolument scandaleux. Donc, je vais commencer par le haut. La phonétique corrective, donc quelqu'un qui a une bonne prononciation, c'est quelqu'un qui, normalement, a une plus grande assurance dans la langue étrangère. C'est vrai que quand on parle une langue étrangère, et qu'on sait bien prononcer, on se sent plus sûr de soi, il y a une certaine fierté, il y a le fait d'être compris par les autres, de recevoir souvent des félicitations, ça fait longtemps qu'on s'apprend le français, etc., etc. En même temps, je vais avoir une bonne prononciation, ça améliore la qualité des interactions. On a l'impression que lorsqu'on parle avec un étranger qui maîtrise bien la langue et qui n'éprouve pas de difficultés de prononciation, donc qui se fait bien comprendre, qui comprend bien, les interactions sont plus faciles, sont plus fluides. Ça facilite également, pourquoi pas, la gestion de l'oral. Il y a moins de risques d'erreur, il y a moins de risques de bavure interculturelle, ça j'y reviendrai. D'autre part, en salle de classe, une bonne prononciation, ça peut améliorer la connivence entre le prof et l'élève. J'entends par là que, généralement, l'élève qui a une bonne prononciation, c'est celui à qui on demande, par exemple, de lire un texte, c'est celui qui va donner la réplique à l'enseignant, etc. L'élève qui a une bonne prononciation, très souvent, c'est un peu le chouchou de l'enseignant. Non, j'y vais trop fort ? Bon, d'accord. Et enfin, chose importante et chose qui est vraie, c'est que avoir une bonne prononciation, ça signifie qu'on perçoit mieux les sonorités de la langue étrangère. Mieux percevoir les sonorités d'une langue étrangère, ça veut dire qu'on les perçoit plus rapidement, avec moins de risques d'erreur. Donc ça facilite ce qu'on appelle l'accès au sens. C'est-à-dire que les traitements cognitifs de décodage sont effectués avec davantage de rapidité et sont moins entachés de risques d'erreur. Donc, quand vous entendez ceci, vous vous dites, mesdames Ned, pourquoi n'ai-je pas fait jusqu'à présent de phonétique corrective ? J'en avais pas du tout cette vision idyllique. Bon.
Il faut quand même dire que malheureusement, la phonétique corrective n'a pas très bonne presse. Ça s'appelle une litote. Et généralement, vous allez retrouver là un terrain qui vous est familier. La phonétique corrective, c'est inquiétant. Et ça inquiète aussi bien les profs que les élèves. Ça inquiète les profs parce qu'ils se sentent complètement démunis, se sentent complètement impuissants. Mais comment je vais faire? J'arrive pas à corriger cet élève. Je veux qu'il produise un « r » et il est en train de produire un « r ». Il est en train de produire un « le », etc. Je n'y arrive pas. Je veux qu'il me produise, je veux qu'il me parle de cette jolie rousse. Il me parle de cette jolie rousse, alors que je veux qu'il me parle de cette jolie russe. Et je n'arrive absolument pas à lui faire produire cette jolie russe rousse. C'est l'horreur, je suis perdu. L'élève également, ça l'inquiète, parce que faut se dire une chose. Quand vous pointez du doigt un élève qui prononce mal, vous le mettez directement sous le feu des projecteurs et vous pointez un manque. Vous pointez quelque chose dont l'élève peut être gêné, dont l'élève peut avoir honte. L'élève, quelque part, est mis à nu à partir du moment où il a une prononciation défectueuse. Et songez au nombre d'élèves qui n'osent pas ouvrir la bouche en cours, tout simplement parce qu'ils sont un peu honteux d'avoir une prononciation qui ne colle pas à un bon modèle. Donc il y a déjà ce côté inquiétant. La phonétique corrective également, ce n'est pas la discipline la plus sexy dans l'enseignement de langues étrangères, c'est-à-dire que ça engendre très vite la nuit et la démotivation. Soit vous faites ça dans un labo de langue, soit le prof vous fait passer toujours par les mêmes exercices, écouter, répéter, comparer, lisez, etc., etc. Il y a un moment où vous pouvez en avoir ras-le-bol. Vous êtes, et je n'en doute pas dans cette salle, des élèves totalement sérieux, vous vous investissez à fond, mais les résultats, bof, soit ils tardent à venir, soit les résultats sont très modestes. Et vous dites, tout ça pour ça, j'aurais mieux fait d'être meilleur en maths. D'accord ? Donc, c'est un peu le genre de problème qu'il y a. Et puis, pour le prof, la correction phonétique, mais quand c'est qu'il faut la pratiquer ? Bon, est-ce qu'il faut la pratiquer en classe ? Si oui, comment ? Avec quelle fréquence ? Est-ce que c'est pas mieux de faire des ateliers ? Là, les élèves viennent, en tout cas en France, un atelier que des élèves volontaires. Donc déjà, il y a la motivation. Faut-il la pratiquer au laboratoire de langue ? Donc là aussi, ce sont de vraies questions. Comme je le disais, c'est bâti sur des activités répétitives, parfois complètement incompréhensibles. J'en reviens à un exemple que je donnais hier. J'étais tombé il y a quelques semaines sur un livre où l'exercice, c'était dit virelangue du genre, Natacha, le chapacha qui s'échappa, ce qui fâcha, Sacha. Très bien. Alors, le virelangue, ça fait rigoler le natif. Vous avez parfois des virelangues qui ont un sens complètement absurde. Et c'est pas sûr qu'un prof étranger comprenne même la pseudo-astuce du virelangue. Mais le virelangue pose problème à un natif. Vous pensez bien qu'il va poser problème à n'importe quel apprenant étranger. Mais depuis quelques années, la mode, c'est de proposer ces imbécilités phonétiques. Donc, voilà, ça fait partie des choses complètement incompréhensibles. Et puis, disons que la discipline, la phonétique, c'est une discipline qui est peut-être sentie comme étant aride, comme étant technique. Si au cours de vos études, vous avez dû suivre un cours de phonétique, vous vous êtes tapé un tableau des voyelles, c'est assez triste, un tableau des voyelles. Vous vous êtes ensuite farci un tableau des consonnes, c'est encore plus triste. Et vous avez senti que vous commenciez à tomber dans une certaine dépression. D'autant plus que vous ne voyez absolument pas, mais ça sert à quoi tous ces machins? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre dans ma vie d'une apico-dentale, d'une dorsovélaire, d'un degré d'aperture? J'ai pu vivre sans, ça ne va pas être le centre de mon existence.
sauf pour certains pervers, mais ça c'est une autre histoire. Bien, donc voilà un peu le problème très ambigu, je le répète, de la correction phonétique dans le monde de l'enseignement des langues. Donc comme je disais, comme j'aime bien le dire, la phonétique corrective, c'est le vilain petit canard de la didactique du FLE. Voilà. On pourrait quand même se poser la question du genre, bon, le monsieur, ça fait un certain temps... Waouh, pardon, il faut que je surveille l'heure, excusez-moi. Ça fait un certain temps donc qu'il parle de phonétique corrective, mais au fond, la phonétique corrective, qu'est-ce que c'est ? Bien, la phonétique corrective, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous dire, la phonétique corrective, c'est ça, et je vais vous en donner une définition par palier. Le premier palier, la phonétique corrective, bon, ben, ce sont les voyelles et les consonnes, et là, tout le monde va être d'accord. Il s'agit donc de corriger les voyelles et les consonnes mal réalisées dans la langue cible. Par exemple, un chanteur comme Julio Iglesias qui commence par une chanson française par « Non, il n'est pas changé ». Il y a absolument tout à corriger. D'accord ? Donc là, il faut se mettre au boulot, voyelles et consonnes. Très bien. Mais la phonétique, ça n'est pas que ça. La phonétique, c'est également le rythme et l'intonation, ce qu'on appelle la prosodie. Et la prosodie, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans une langue étrangère. Ben, c'est ce qui vous touche en premier quand vous entendez une langue que vous ne comprenez absolument pas. Je ne sais pas, moi, je vous dis dans une langue en principe peu connue de personnes ici, je vous dis, je ne sais pas moi, « Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, что сегодня утром вы в форме. » Donc ça veut dire « Bonjour, chers amis, j'espère que vous êtes en forme ce matin. » C'est du russe. Si vous ne connaissez pas le russe, ben vous avez d'abord entendu une certaine musicalité, vous avez entendu un certain rythme, et stop. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu activer les activités de décodage qui vous permettent d'accéder au sens de l'énoncé que je viens de produire. D'accord ? Donc, rendez-vous compte, c'est au fond, toute la langue, mais absolument toute la langue, est contenue dans la prosodie, c'est-à-dire dans le rythme et dans l'intonation. Enfin, il y a une chose très importante et qui participe de la correction phonétique, c'est le geste, la corporéité. Ben, vous voyez, je suis en train de faire un exposé devant vous. Je fais un exposé didactique, mais je ne reste pas au garde à vous, je bouge. Et quand j'explique un point, j'ai une gestuelle qui scande le discours, qui dicte le discours. Je vais m'arrêter de parler, j'ai arrêté de bouger. Je me remets à parler, je bouge naturellement. Ça s'appelle une gestualité co-verbale qui accompagne naturellement la production de la parole, et cette gestualité co-verbale est également à prendre en considération quand on travaille en correction de la prononciation. D'autant plus, je le répète, que certains gestes sont des gestes communicatifs, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus loin dans l'exposé. Je vais trop vite ou ça va ? Ça va ? Bon. Alors... Deux pratiques de la correction phonétique dans cet univers impitoyable et glacé. Donc, vous le voyez, j'ai repris mon petit schéma de tout à l'heure. Et je présente ici... Ah, mais c'est vrai que j'ai plus le... Oh, la honte. Donc, je parle de l'approche articulatoire. Je ne parle pas de méthode articulatoire, parce que l'approche articulatoire ne repose sur aucune méthodologie, mais l'approche articulatoire, c'est celle que vous connaissez, que vous avez dans tous les bouquins, dans tous les manuels de langue, un petit schéma, tu mets ta langue comme ça, tu mets tes lèvres comme ça, tu bouges les oreilles comme ça, etc., etc. Vous connaissez, et l'approche articulatoire s'arrête aux consonnes et aux voyelles. Et puis, il y a un truc qui a un nom totalement barbare, qui s'appelle la méthode verbotonale d'intégration phonétique, dont personnellement je me réclame, qui englobe l'approche articulatoire. Je ne définirai pas maintenant ce que veut dire verbotonale d'intégration phonétique, je pourrais le faire après si vous voulez, mais c'est une méthode qui considère qu'on doit donner la priorité au rythme et à l'intonation, systématiquement, par rapport au son,
Donc déjà, vous le voyez, ça prend un peu le contre-pied de l'articulatoire. Et c'est une méthode qui considère également que la parole, c'est du mouvement. Donc que le geste est indispensable pour travailler la prononciation. Ben oui, parce que si je fais par exemple un simple « ah » que je, donc le « ah » que je suis content de faire cet exposé devant vous, le simple « ah » que j'ai produit fait que j'ai une centaine de muscles qui ont été sollicités. Et les muscles en question, c'est dans l'ensemble du corps. Hein, ça n'est pas uniquement la zone décrite par l'approche articulatoire qui va de là à là. D'accord ? Donc la méthode verbotonale, qui est une méthode très globalisante, très holistique, tient compte de l'ensemble de ce phénomène qui sont intercorrélés. Donc voilà, ça veut dire que dans le champ de la didactique des langues, depuis les années 60, ces deux méthodes se battent en duel. Et je voudrais justement maintenant vous proposer une mise en perspective de la phonétique corrective du FLE. Ça va me permettre d'évoquer la didactique de l'oral et ça va me permettre ensuite de glisser vers la didactique de l'oralité. Alors, perspective que je vous propose pour la phonétique corrective, quatre grandes périodes depuis les débuts officiels du français langue étrangère en France. Alors, le début officiel du français langue étrangère en France, pour moi, c'est 1960. C'est l'apparition de la première méthode structuro-globale audiovisuelle, méthode SGAV, qui s'appelait Voix et Images de France, qui a complètement révolutionné l'enseignement du français langue étrangère et d'ailleurs de pas mal d'autres langues vivantes. Et c'est à partir de là qu'on a commencé officiellement à parler de français langue étrangère. Et alors, les méthodes audiovisuelles ont régné pendant les années 60-70, et là, la correction phonétique était mise à l'honneur, c'est-à-dire que les professeurs qui étaient formés à l'utilisation de ces méthodes SGAV, de ces méthodes audiovisuelles, étaient également formés à l'utilisation de cette fameuse MVT, méthode verbotonale. Donc pendant les années 60-70, tout allait bien dans le meilleur des mondes, etc. Puis c'est un système de balancier, vous savez. À partir des années 80, ce sont les approches communicatives qui dominent. Et là, la phonétique corrective est mise au rancard. C'est-à-dire on n'en parle plus, on ne veut plus en parler. Les prétextes sont les suivants. Oui, la phonétique corrective, ça demande des efforts démesurés pour des résultats le plus souvent très décevants. Et puis, de toute façon, avoir un accent, c'est une marque d'altérité, c'est une marque de non-perte de culture. Donc, il y a des mecs qui ont écrit des bouquins là-dessus. Donc, voilà, on ne parle plus de phonétique corrective. À partir des années 90, ce qu'on appelle en France toujours la période de l'éclectisme, on se rend compte qu'on a fait une grosse bêtise hein, parce que les apprenants qui apprennent le français ont une prononciation carrément épouvantable. Et donc on se dit, tiens, il faudrait quand même remettre un peu la phonétique dans les programmes. Mais il y a eu une cassure. La cassure a été la suivante. Pendant les années 80, il y a pas mal de formateurs de la période précédente qui ont été rappelés à Dieu. Et il y en a qui ont pris leur retraite en attendant d'être rappelés par le diable, serviteur. Voilà. Et alors, ça veut dire que, et en plus, les formateurs de la période numéro 1, c'était tous des méthodologues de terrain, c'est-à-dire ils étaient sur le terrain, ils étaient dans les classes, ils bossaient avec les profs, etc. À partir des années 80, les formateurs de FLE sont devenus des formateurs universitaires, c'est-à-dire des gens qui tiennent des discours savants, mais qui ne savent pas forcément ce qu'est le terrain. Et or là, pour la phonétique corrective, ça a été un peu effrayant. Et puis on arrive donc au 21e siècle avec le cadre européen, l'approche actionnelle. Soyons clairs, dans le cadre, la phonétique, ils ne savent même pas ce que c'est. Et l'oral, c'est 5 pages hein, qui sont diluées complètement dans le cadre. D'accord ? Mais comme je disais toujours à mes étudiants de master, c'est certainement pas en lisant le cadre que vous apprendrez votre métier. Bon,
C'est dit. Alors, quatre périodes. Pendant ces quatre périodes, il y a un certain nombre de mots-clés qui envahissent la sphère didactique. C'est ainsi, par exemple, que pendant les années 60, et surtout les années 70, le mot-clé, c'est « communication ». C'est Jacobson qui, en 62, publie son fameux schéma de la communication. Tout à fait au début des années 70, il y a des linguistiques qu'on appelle des linguistiques de la communication qui déferlent dans le paysage didactique. Et la communication est mise à toutes les sauces. Et vers la fin des années 70, début années 80, il y a deux autres mots essentiels qui sont interaction et cognition. Interaction et cognition, je reviendrai sur ces mots, la didactique du FLE s'en empare avec avidité. Et on peut proposer cette espèce de petit schéma un peu bizarre quand même, j'en conviens, à savoir, quand on parle de communication, on est quand même encore dans le monde de ce qu'on appelle l'oral, ce qu'on va voir maintenant. Mais dès qu'on place le curseur, que j'aurais pu même davantage déplacer vers le bas, dès que je commence à aborder l'interaction, je suis dans le domaine de l'oralité, parce que, ben vous allez voir pourquoi. Alors, phonétique corrective et didactique de l'oral. C'est-à-dire, je reviens vraiment sur ce qui se passait des années 60 jusqu'aux années 80, approche communicative. Ça a été, comment dire, les années 60, 70, je le répète, ça a été le triomphe des méthodes audio-visuelles. Les années 80, ce sont des approches communicatives. Il y a eu une période pendant laquelle ça a cohabité. Et puis, les méthodes audiovisuelles ont été taxées d'être vieillottes, etc. Et c'est vrai qu'une méthode audiovisuelle vieillit très, très rapidement. Alors, voilà ce qui s'est passé en termes de didactique de l'oral. Pendant cette période, années 60, 70, 80, la phonétique corrective est mise à l'honneur. Alors, elle est mise à l'honneur, j'aurais dû commencer par ça, en classe. Il y a vraiment un effort de la part des enseignants pour travailler sur la prononciation des élèves. Et puis, c'est la grande mode du laboratoire de langue, hein, les années 60-70. Toutes les méthodes proposent des enregistrements pour le laboratoire de langue. Ces enregistrements ne sont pas faits n'importe comment. Les phrases sont phonétiquement calibrées, etc. Et en même temps, c'est très important, les enseignants ont une formation pour travailler en phonétique corrective. Donc, pendant cette période années 60-70, ça marche pas mal, la phonétique. Ce qu'il y a également, alors, c'est que les méthodes audiovisuelles, comme je vous l'ai dit, sont des méthodes audiovisuelles structuraux globales de type SGAV, et ces méthodes sont entièrement axées sur l'oral, avec des propositions méthodologiques qui, à chaque fois, sont des propositions méthodologiques qui sont discutées, qui sont appliquées dans la classe, qui sont commentées. Il y a véritablement une production méthodologique extrêmement importante. Une leçon audiovisuelle se distribue en 5 moments que vous avez ici. Vous avez la phase de présentation, la phase d'explication, celle de répétition, ensuite l'exploitation et la dramatisation. Dans certains cas, on peut commencer l'explication avant même la présentation. Et dans des cas extrêmes, mais c'était justifié à l'époque, on va commencer directement par toute la partie phonétique. C'est-à-dire les élèves vont devoir répéter des énoncés auxquels ils ne comprennent rien. Mais il y avait des arguments pour dire voilà pourquoi on fait travailler comme ça à certains moments. En même temps, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les méthodes SGAV fonctionnent de pair avec la fameuse MVT, la méthode verbotonale. Et vous voyez les mots que j'ai mis en rouge dans ce petit schéma. J'insiste sur le fait que la méthode verbotonale met en valeur le rythme, met en valeur l'intonation, insiste sur la corporéité, la parole c'est du mouvement, et les sons, ben, ils sont là-dedans, mais quelque part, ce ne sont pas les unités les plus
les plus importantes. Et tout ceci fonctionne ensemble, tout ceci fonctionne de manière relativement satisfaisante, bon, malgré bien entendu quelques critiques. Et je le répète, il y a une véritable didactique de l'oral qui est actée dans des bouquins, dans des colloques, où les gens réfléchissent de concert. Bien. Alors, il y a donc deux moments des méthodes SGAV qui sont, je le répète, privilégiés dans la didactique de l'oral. Il y a ce qu'on appelle la dramatisation et la transposition. Ben voici par exemple la dramatisation, c'est ce moment où les élèves ont fini de travailler sur un dialogue. Et c'est le moment où on va dire à ces élèves, ben voilà, vous allez tous devoir jouer par groupe de deux ou par groupe de trois, ben vous allez devoir jouer le dialogue. Attention, il s'agit de venir jouer le dialogue devant la classe, on fait un petit décor, on utilise quelques objets, mais dans ce dialogue, vous devez impérativement respecter le rythme, l'intonation, etc. Et vous y passerez tous, d'accord ? Donc ça, c'est la dramatisation, c'est assez bien trouvé. Et, bon, je ne sais pas, là, vous avez le dialogue où trois élèves ont une discussion sur je ne sais quel sujet, un autre dialogue où on peut supposer deux élèves qui prennent un thé ensemble, le troisième dialogue où vous avez un groupe d'élèves faisant quelque chose. Et puis, après la dramatisation qui consiste à jouer, à rejouer en quelque sorte la leçon, à certains moments, il y a une phase dite de transposition. Alors là, c'est le moment où les élèves créent leur propre dialogue. Ils les créent de toutes pièces avec le matériau linguistique dont ils disposent. Le prof est là, naturellement, il les aide, mais c'est aux apprenants eux-mêmes de créer les situations qu'ensuite ils jouent. Et là, il y a véritablement, je le répète, une didactique de l'oral, parce qu'il y a toute une... C'est très riche d'enseignement de voir comment les élèves s'y prennent. Bien. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est que la phonétique corrective est réinvestie pendant cette période dans la didactique de l'oral. C'est-à-dire que vous avez la création d'un matériel assez fabuleux et qui n'a plus d'équivalent aujourd'hui. C'est ça qui est absolument terrible. C'est des méthodes qui n'existent plus pour travailler sur les intonations expressives, pour travailler sur la posture au mimo, gestualité et la mimique, pour travailler sur approche rythmique et intonative du français langue étrangère. Il y a plein de choses qui sont faites qui mériteraient véritablement d'être utilisées aujourd'hui, mais c'est des méthodes qui ont des dizaines d'années. Elles ont disparu. Bien. La didactique de l'oral, les ingrédients, vous le voyez, c'est donc des phases de dramatisation et de transposition, et bien entendu les jeux de rôle. C'est à partir des années 70 que les jeux de rôle éclatent dans l'enseignement du FLE, et que ces jeux de rôle donc ont également une méthodologie qui est extrêmement discutée. Il y a pas mal de bouquins qui proposent des jeux de rôle avec canevas. Pourquoi ? Des jeux de rôle sans canevas. Pourquoi ? Les différentes techniques pour aborder un jeu de rôle, la phase fondamentale qui ensuite consiste à débriefer le jeu de rôle. Donc tout ceci est véritablement extrêmement discuté. Je le répète, il y a une didactique de l'oral qui est cohérente, attention, compte tenu des connaissances de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, on n'écrirait certainement plus des choses qui étaient écrites de façon tout à fait naturelle en 1980, par exemple. Alors, l'idée dans la didactique de l'oral, c'est que on va quand même serrer un peu les ingrédients dont on a besoin. On va dire, voilà, il s'agit de voir un peu les typologies de situations de communication, situations en face à face, situations en différé, situations où on ne se voit pas, les fameuses conversations au téléphone, ou bien même arriver à réagir face à un répondeur téléphonique. Les anciens dans la classe se rappellent qu'à la limite, même quand on décrochait le téléphone, la phrase était « Allô, qui est à l'appareil ?» On ne pouvait pas identifier la voix de l'interlocuteur. D'accord ? Donc il y avait plein de choses qu'on gérait comme ça en FLE. Et puis il y a également le contexte situationnel. On insiste sur le lieu, sur le moment, sur l'ambiance. Je ne sais pas, moi, faire une déclaration d'amour
c'est pas la même chose si vous la faites, je sais pas moi, pendant un colloque dans un parc solitaire et glacé, sur le fauteuil du dentiste, voire lors d'un enterrement, juste pour vous donner quelques... Voilà. Et puis on va discuter sur le rôle, le statut, l'humeur des interactants. Ben, par exemple, je sais pas moi, une patiente timide est reçue par un médecin épuisé ou un médecin excédé. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, c'est surtout la très très grande influence de pas mal de courants sociolinguistiques, hein. Que le FLE avait repris à son compte. Donc, je le répète, c'est une didactique de l'oral qui est assez riche, qui est assez sympa, qui est assez agréable. Très bien. Et à partir des années 80, à partir des années 80, il y a un nouveau mot qui fait son apparition, qui est l'oralité. Et donc, à partir de là, ben, en préparant cette conf, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi ne pas commencer à parler de phonétique du FLE à visée didactique, ça fait riche, ça fait beau. Donc voilà, on va faire ça. Donc ça, l'oralité, c'est quelque chose qui démarre dans les années 80, pendant les approches communicatives. L'oralité, c'est ça, c'est-à-dire il y a deux bouquins qui décrivent assez bien ce que c'est. Ce sont deux bouquins d'ailleurs rédigés par des phonéticiennes, et pour moi c'est pas un hasard si ce sont des phonéticiennes qui s'intéressent à cela. D'abord c'est Elisabeth Lott qui a en 95 sorti un bouquin qui s'appelle Enseigner l'oral en interaction. Remarquez bien le titre, Enseigner l'oral en interaction et non pas Enseigner à communiquer à l'oral. C'est complètement différent et on va voir pourquoi. Et un autre bouquin qui lui est plus récent, il est sorti en 2013, c'est le livre de Corinne Weber, Pour une didactique de l'oralité. D'accord ? Donc le terrain, si vous voulez, est relativement balisé. L'oralité, on en parle très vaguement dans le cadre européen, mais encore une fois de façon extrêmement homéopathique, pour ne pas dire plus ou moins, enfin je ne sais pas. Voilà, donc l'oralité, c'est un terme qui est reconnu. Et alors, c'est quoi la phonétique du FLE à visée didactique ? Jusqu'à présent, j'ai surtout insisté sur la matière sonore. Donc j'ai surtout insisté sur l'intonation, le rythme, les sons. J'ai insisté sur la gestualité, c'est-à-dire la gestualité communicative, la gestualité co-verbale, la gestualité phonogène. Phonogène, c'est la gestualité très spécialisée qui permet de produire les sons de parole. D'accord ? Et j'ai envie de vous dire, bon, ben ça, c'est la phonétique corrective. Et puis il y a deux mots qui apparaissent ici, communication et un mot qui est en rouge, c'est interaction. Avec cette idée, quand vous commencez à parler non plus de communication, mais d'interaction, vous basculez dans l'oralité. D'accord ? Juste tous les mots clés qui sont en noir, c'est de l'oral. À partir d'interaction et au-dessus, ben vous faites appel notamment à la culture, c'est-à-dire à de la cognition, des comportements et des attitudes. Et là, vous êtes dans l'oralité. Alors, culture... J'ai envie de vous en proposer une définition, comme ça, juste... Mais je vais vous proposer une définition à laquelle vous n'êtes pas forcément habitué en tant que prof de FLE. J'ai envie de vous dire, la culture, c'est l'ensemble des stimuli ressentis et produits, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par n'importe quel individu. Les stimuli produits et ressentis, ben c'est ça la culture. C'est, d'accord ? Et ça colle à n'importe quelle définition de l'anthropologie. Par contre, c'est une définition qui me plaît aussi en phonétique, quand je vous dis, ah ben tiens, l'apprenant n'entend pas les stimuli spécifiques de U par rapport à I, ou l'apprenant hispanophone a une difficulté à percevoir les stimuli de je et de ye, par exemple. Peut y avoir une confusion. Bon, j'y reviendrai peut-être. Ce que je veux dire, c'est que la phonétique corrective du FLE, ça englobe tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, l'oral, et la fameuse phonétique du FLE à visée didactique, c'est ce truc beaucoup plus vaste et beaucoup plus général. Très bien. Voyons maintenant.
Voyons maintenant les conséquences. L'idée, je le répète, c'est que quand vous parlez de communication, vous êtes au niveau de l'oral. Mais dès que vous abordez le domaine de l'interaction, vous convoquez l'oralité. On va voir ce que ça veut dire comme différence. Voilà, nous sommes ici dans une didactique de l'oral. Nous avons ici 5 personnes qui, par exemple, font un jeu de rôle. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un conseil de classe avec le directeur qui a convoqué les profs, etc. Il y a le cadre spatio-temporel de la situation de communication. On peut considérer que les profs sont convoqués à 18h au terme d'une journée de cours. Ils en ont ras-le-bol. Ils n'ont pas envie de se faire un conseil de classe. Et quelque part, ils arrivent avec l'intention de saquer les élèves, sauf peut-être une prof qui est gentille, sympa et qui est pleine de bienveillance, pour employer le mot que notre ministre actuel, qui lui-même a l'air très bienveillant, adore utiliser. Donc voilà, ça, on a donc un cadre spatio-temporel de la situation de communication. Chacun des participants ici a son rôle, le directeur, le délégué syndical, l'ancienne maîtresse du directeur, enfin bon, je me calme un peu, bon, etc., etc. L'humeur des participants, très bien, on se met d'accord là-dessus. Et au fond, tous ces éléments que je viens de décrire là, ce sont des éléments qui sont des éléments, si j'ose dire, visibles. Ce sont des éléments qui sont statiques. Voilà, donc on va créer un jeu de rôle à partir de ces éléments qu'on a mis en place, le rôle, l'humeur, le statut, l'endroit où ça se passe, etc. On va manipuler des structures linguistiques et au fond, on a l'impression que le sens est donné a priori. Du genre, ben écoutez, c'est un conseil de classe, il y a un problème avec tel élève, tout le monde est fatigué, mais Catherine, qui est là, va quand même défendre cet élève. Allez hop, vous trouvez les arguments. Ben, on demande aux gens de manipuler, je le répète, des structures linguistiques. Le sens a l'air d'être donné a priori. Et à l'extrême limite, il s'agit de bien dire pour bien faire. D'accord ? Tant que vous dites bien les choses grammaticalement, tout le monde est content et surtout, on se focalise sur l'énoncé. L'énoncé, c'est-à-dire allez hop, la réplique ou le couple réplique 1, réplique 2 doit être bien produit et à partir de là, tout va bien. C'est moi. Voilà. Alors, l'oralité, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, j'ai très honte. J'ai très honte. Vous auriez été un élève, je vous aurais viré. L'oralité, par contre, qu'est-ce que c'est ? L'oralité, c'est très différent. Je vous rappelle que l'oralité, c'est une interaction. Et l'oralité, ben, ça sollicite toute la personnalité de l'individu, de l'apprenant. L'oralité, ça veut dire que l'apprenant est considéré comme ayant une compétence linguistique. Il est capable de dire des choses en langue étrangère, mais également une compétence sociale, mais aussi une donc le fameux savoir-être du cadre européen et une fameuse compétence psychologique. Il est capable de parler aux gens, par exemple, sans les agresser, sans tenir de discours aberrants, délirants, etc. Donc c'est beaucoup plus vaste qu'une didactique de l'oral. En plus, dans l'oralité, quand on se dit on est au niveau des interactions, il y a un tas de questions qu'on doit se poser. Quels sont les rapports entre les personnes ? A priori, on en a une idée, mais on ne les définit pas dès le départ. Quelles sont les intentionnalités de chacun ? Ben, par exemple, la prof qui veut défendre tel élève, ben, cet élève, elle s'est engueulée avec lui l'après-midi, elle se dit « Oh, fofon, je ne vais pas forcément le défendre comme je l'aurais fait il y a encore 2 jours, etc. » Quels sont les buts poursuivis, les enjeux identitaires ? Et puis, au fur et à mesure de la discussion entre ces gens-là, il va y avoir des jeux d'influence. On peut très bien changer d'opinion. J'étais contre cet élève au départ. Finalement, je me dis, ben ouais, il faut peut-être lui donner une deuxième chance, etc. Tout, absolument tout peut arriver. Hein, parce que pendant une interaction, rien n'est donné, rien n'est figé. Tout se construit et tout évolue au fur et à mesure de l'interaction.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe lors d'une interaction, c'est ce qui se passe là-dedans, à l'intérieur de la boîte noire, à l'intérieur du cerveau. Et c'est pour ça que ma définition de la culture, c'était les fameux stimuli ressentis et perçus par les sujets. C'est-à-dire ce sont des éléments qui sont invisibles, qui sont fluctuants, qui sont dynamiques. Les interactants sont sous l'influence de plusieurs facteurs psychosocioculturels et surtout le sens n'est absolument pas donné a priori. Le sens évolue, il évolue de façon non prévisible et puis le sens c'est une co-construction collective. À n'importe quel moment, le sens peut prendre telle direction ou encore une autre direction. Là, il ne s'agit plus de dire « on produit des énoncés ». Là, attention, la focalisation s'effectue sur le discours, c'est-à-dire sur un mode de production orale beaucoup plus large et beaucoup plus polymorphe que ne l'est un simple énoncé. Et ce que vous avez marqué sur cet écran, ce sont là les véritables moteurs de l'interaction. Mais les moteurs de l'interaction sont présents, je le répète, sont invisibles, ils sont présents dans le chef des interactants. Et ces moteurs de l'interaction, vous n'avez pas la possibilité d'agir directement là-dessus, comme c'est le cas pour les moteurs de l'oral. Donc l'idée, alors de l'oral à l'oralité, bien entendu, la barre est placée très haut. Ça c'est moi qui me suis pris en selfie pendant que voilà. Donc la barre est placée très haut. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, quand on parle de l'oralité, ça appartient à la vie réelle, ça n'appartient pas à l'univers fictif de n'importe quelle situation d'enseignement, apprentissage. Et ça ne se retrouve, à ma connaissance, dans aucun manuel. Et je pense également que ce n'est pas enseigné en FLE. Est-ce que c'est enseignable d'ailleurs ? Alors là, vous voyez, je mets un pavé dans la mare. Il y a ce bouquin que j'ai lu il y a 3 semaines et que j'ai trouvé assez sympa. Ce sont 2 Canadiens, 2 sociologues qui ont effectué 2 séjours en France et ils ont examiné le comportement des Français, style je prends des mouches, je les mets sous le microscope et je regarde comment les Français mouches bougent. Et il y a des choses extrêmement intéressantes. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le sous-titre en jaune. Code, tabou et mystère de la conversation à la française. Là, on y est, c'est en plein dans l'interaction. Et il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y a des choses extrêmement intéressantes, le fameux bonjour français. Ils ont noté que, donc les 2 Canadiens, que si jamais vous ne dites pas bonjour à quelqu'un lorsque vous l'abordez ou lorsque ça ne va pas, la personne vous fait la tête, la personne vous parle mal, la personne, etc. Alors que eux, comme Canadiens, à la limite, ne vont pas dire bonjour. Je vais m'approcher, par exemple, de ce monsieur en lui demandant, avec un grand sourire, « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Donc, je suis poli, je dis « s'il vous plaît ». Toute mon attitude montre que je ne suis pas agressif. Mais si monsieur est français, il me regardera d'un air méchant. Il commencera par exemple par « bonjour d'abord hein, » parce que effectivement le fameux « bonjour », je ne l'ai pas dit. Et la dame qui a écrit le bouquin a montré des situations dans lesquelles il était extrêmement gênant de se retrouver. Il y a une autre situation qui est assez amusante, qui m'était rapportée par une collègue polonaise qui vit à Toulouse depuis pas mal d'années, qui croisait donc des collègues français dans les couloirs et donc à Toulouse et ailleurs en France, je pense, quand on se croise, on peut avoir l'habitude de dire « bon, ça va ?» Et certaines personnes lui disaient « et toi ?» Et la jeune femme était complètement perdue. « Pourquoi il me demande ?» Il ne m'a même pas répondu si lui ça allait. « Pourquoi il me demande ?»« Et toi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Pour nous, c'est tellement habituel. Ce sont des moteurs conversationnels. Ce sont des routines conversationnelles, culturelles tellement habituelles qu'on n'y prête pas la moindre attention. Par contre, pour des étrangers, ce sont de véritables bavures interculturelles qui peuvent complètement nous dérouter. Alors, le problème, encore une fois, ce bouquin est très intéressant, me semble-t-il, parce qu'il y a plein de petites anecdotes comme ça qui montrent que
ben on est toujours, et sans vouloir le faire exprès, on est toujours au bord de la bavure interculturelle, parce qu'il y a des codes et des tabous qui sont très différents d'une communauté linguistique à l'autre, d'une culture à l'autre. Je reviens également sur le bouquin fort intéressant de Corinne Weber pour une didactique de l'oralité. Regardez le sous-titre, enseigner le français tel qu'il est parlé. Enseigner le français tel qu'il est parlé, est-ce que le FLE enseigne le français tel qu'il est parlé? Et puis, c'est quoi le français tel qu'il est parlé? Existe-t-il une grammaire du français parlé? Il y en a une, 1967, sous la direction d'André Reboulet, chez Larousse, collection F. Mais depuis, il y a eu 7 ou 8 tentatives à ma connaissance, les bouquins ne sont jamais parus, tellement c'est compliqué de faire une grammaire du français parlé. Alors, enseigner le français parlé, je ne sais pas quel est l'éditeur, sauf bien sûr les éditions La Maison des Langues, qui se lancerait dans une entreprise aussi compliquée. D'accord ? Alors, je vais terminer juste par ceci. Je vous ai parlé de didactique de l'oral, de didactique de l'oralité. C'est vrai que quelque part, j'aurais dû situer là-dedans la fameuse compétence de communication de Heims, qui a dominé toutes les années 70-80, et le cadre européen, le gadget du cadre, la compétence à communiquer langagièrement. Quelle est la différence entre compétence de communication et compétence à communiquer langagièrement? J'ai donné le sujet à mes étudiants il y a 3 ans, je crois qu'ils continuent de me haïr encore aujourd'hui. Voilà. Soit dit en passant, pourquoi compétence à communiquer langagièrement, alors que dans le cadre, ils passent leur temps à parler d'interaction? Y aurait-il une différence entre compétences interactionnelles et compétences à communiquer langagièrement? Là, vous sentez que l'expo commence à devenir universitairement casse-pied. Donc là, je ne vais pas continuer. En guise de non-conclusion, je vous dirais simplement qu'il convient d'être réaliste. Si on veut faire de la phonétique du FLE à visée didactique, tout ça, donc travailler sur la matière sonore, la gestualité, y compris la gestualité communicative, voilà, on peut faire plein de choses. Là aussi, j'aurais un tas d'anecdotes à vous raconter, mais absolument pas le temps. Très bien. Donc, il y a une action directe, c'est possible. Par contre, il faut être clair, quand je vous parle de phonétique du FLE à visée didactique, dès qu'on travaille sur les comportements, les attitudes, dès qu'on est sur des processus dynamiques et évolutifs d'interaction, ben là, en quelque sorte, tout se passe en temps réel, en direct, dans le chef, dans le cerveau des interactants. Et en 2019, à ma connaissance, il est impossible d'intervenir directement. On peut intervenir en amont en donnant à l'élève un tas d'indices, un tas de possibilités, et en se disant, bon, ben, il y a certains élèves, peut-être plus extravertis que d'autres, qui en feront leur miel. Il y a aussi une question très importante qui est celle de la motivation. Vous avez des élèves qui sont motivés et qui véritablement vont s'investir, et d'autres élèves pour qui tout ça, bof, c'est pas si important. Donc tout ceci doit être pesé. On n'est pas dans l'univers bisounours, où effectivement l'apprenant est un être merveilleux, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire. Séverine, j'ai tenu. Voilà. Je te retends le micro. Merci. Merci beaucoup, Michel. Pour ceux qui ont oublié leur feuille de présence, je suis à la sortie pour vous en donner, d'accord ? Donc maintenant, pause café et après, session d'atelier. Merci.